Waouh, Jaïsien a travaillé chaque jour pour améliorer plus bien capacité de gagner. Une façon pour le capable de plus monde comme ça doit leur pays en tant que calamité. Si tout dans communauté qui gagne plus tête chargée parce que vous avez un gros mal épandier sous tête yo. N'a pas rangé non côté nous qui écrit en verbe. Depuis que la badon, je n'ai pas risque, nous capables de protéger tête nos familles, nous, en attendant ce cyclone. La vie pour nous assurer que tout va ok. Oui, en tout cas, on continue à prier bon Dieu pour ne pas être plus oui. Mal, vous comprenez? Pour ne pas avoir aucun appui, plus fort, plus tard, d'accord? Monsieur Zafra, c'est comment vous êtes? Je ne vais pas mener personne là du tout. Ok. Donc, si vous avez des bagages, vous avez des bagages, si vous avez des bagages, 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 vous avez après le tremblement de terre 2010, là, nous avons rendu compte que le pays n'est pas assez préparé. Quoi que j'aïsienne dans tout, tu es manqué préparé pour supporter la réponse. Là. Présence partenaire mouvement international Croix Rouge vin mette sou expérience Croix Rouge haïtienne sou terrain vin aide pi plis moun et pi bien nan gwo kokin chin opération sauvetage la. On a une saison cyclonique en Haïti qui est très déterminée, que tout le monde connaît, qui est récurrente chaque année. Donc ça nous permet aussi d'organiser les activités de préparation institutionnelle et opérationnelle de la Croix-Rouge haïtienne en fonction de cette saison cyclonique. Dans la première année, sorti mois janvier pour arriver mois décembre 2012, c'est 2,082,026 personnes qui recevoir soins santé, urgence et santé communauté. Nous offrons des formations sur gestion risque avec des AS. Nous gagnons un module de formation qui est l'éducation, organisation, préparation communautaire pour la réduction des risques. C'est un module de formation qui prend en compte toutes les prérequis que nous avons besoin de connaître dans la question d'affaires gestion risque avec des AS. Sans prendre souffle, dans le mois de mars 2010, il dérapé avec diverses qualités de préparation pour aider les gens dans plusieurs situations. Il mettait sous pied plusieurs séries de formations sur les gestes pour sauver la vie, secourisme et sauvetage. Observez ça, vous avez dit 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une formation de premiers soins communautaires pour les gens qui n'ont pas gagné. Naturellement, matériel préfabriqué à disposition pour être capable de pratiquer les premiers soins. Donc, dans ce sens, nous apprenons à utiliser les moyens du bord. Ça qui est disponible dans l'entourage pour être capable de faire les soins qui sont nécessaires avant qu'ils soient capables d'arriver à joindre des spécialistes qui sont capables d'aider au point. En charge même qui vit. Formation yo bay nan bon jan pratique côté wè ki kalte intervention ki ka fèt nan chaque catégorie catastrophe qui gagne. Tremblement de terre, l'école en sécurité, évacuation, sauvetage nan tan vil, sauvetage nan de l'eau. Move it! Move it! Move it! Move it! Move it! Allez! 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 Allez!
ça nous est. Parlez fort. Roche yo oulé, ka écrasé. Est-ce que nous capable dire qui ça fait ka yo écrasé? Parce que pas de pied bois, ça veut dire nous fait trop débrasement, nous couper trop pied bois. Donc terre pas venir force encore pour le kembé. Et former chaque grain membre dans la population hein, permet que nous vivions une communauté vraiment résiliente. Donc chaque jour, on a essayé de renforcer la capacité non plus, particulièrement et, dans la question de former les gens qui sont souterrains, que ce soit les gens qui ne peuvent pas travailler avec nous, ou bien membres de la communauté, même membres de l'autre organisation, tout, pour que nous soyons capables de faire nous gagner vraiment une communauté plus résiliente. Depuis la Société nationale a créé dans l'année 1932, il y a une mission pour aider des gens qui ont gros mal à prendre sous tête yo, parce que la communauté côté à vivre la manque de capacité pour faire face carré à une série de situations difficiles. Et c'est exactement le lien qui est fixé dans la stratégie 2020 que nous avons ensemble. Avec la Fédération, c'est une société nationale plus forte, c'est mener des actions qui amènent au plus près des populations, des groupes de populations qui démunies. Et c'est troisièmement, vivre une société beaucoup plus forte, et comme vous le dites, donc c'est ça qui s'est établi dans la grande ligne de la stratégie 2020, donc c'est les mêmes lois adoptées. Ce sont les communautés qui répondent le premier en situation de désastre et de crise. Je dirais que nous sommes assez bien préparés par rapport aux années précédentes, où je dirais que chaque année nous sommes de mieux en mieux préparés avec la Croix-Rouge haïtienne, puisqu'il y a aussi l'accumulation de toute l'expérience qui a été acquise dans les dernières années, et en particulier depuis le séisme de 2010. Défi nous gagne pour nous lever en les gros en pile, mais nous travaillons pour nous si nous avancer et petit pas pour que nous arrivions en 2015 et suivant la stratégie Croix-Rouge hier pour nous permettre que nous soyons plus préparés pour affronter tout risque qui vient. Pas oublier. Cyclone Thomas sous nous devons bien préparer nous. Préparer un endroit sûr pour nous pas victimes. Chaque détail dans la mission est direct dans la mission, vision, philosophie mouvement international Croix-Rouge à Croissant-Rouge la même. Travail pour bailler ça qui pi plus dans besoin yo, bon j'en si po, pendant à respecter dignité. Mouvement Croix-Rouge à Croissant-Rouge là toujours travaille dans tête collée avec l'état pays côté à travail là. Travail yo a, c'est bay toute institution l'état pays a. J'arrête pour ça aider des populations qui pi faible. 6 1 2 3 4 6 6 1 Communauté. Regardez. Communauté, on a découpé 3 pieds bois, retournez dans le commencement.